La segmentation de la clientèle, comment attirer plus de clientèle, comment faire en sorte que le projet soit connu de tous. Et la formation m'a beaucoup aidée en ce sens-là. Je m'appelle Memona Touré, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en banque et finance, en lycée L3. Je suis également titulaire d'un BTS en banque et finance. Je fais partie des bénéficiaires de la formation Format Emploi, organisée par la Chambre de commerce en partenariat avec la Chambre de commerce de l'Espagne. Concernant la formation Format Emploi, ça a été une formation très bénéfique pour moi. Concernant mon projet actuel, il m'a beaucoup aidé dans le cadre de l'étude de marché, comment attirer plus de clientèle, etc. Ça m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Le projet s'intitule, le nom de l'entreprise, c'est Argus Partners. Alors, Argus Partners est une entreprise de gestion de patrimoine basée sur la crypto-monnaie. Alors bien sûr, qui dit crypto-monnaie, on sait que c'est quelque chose de nouveau. Ici en Mauritanie récent, les gens ne connaissent pas vraiment. Et la formation m'a beaucoup aidée dans le cadre où je devais la segmentation de la clientèle, comment attirer plus de clientèle, comment faire en sorte que le projet soit connu de tous. Et la formation m'a beaucoup aidée en ce sens-là. L'avantage, c'est que la formation m'a beaucoup aidé sur la segmentation, surtout de la clientèle, parce que qui dit crypto-monnaie, c'est quelque chose de nouveau pour les Mauritaniens. Et dès que vous dites crypto-monnaie, ils se disent c'est pas fiable, est-ce que c'est de l'arnaque et tout. Alors la formation m'a aidé dans ce sens, à savoir comment bien présenter le projet au public et comment faire en sorte que le public soit en phase avec le projet crypto-monnaie. Je remercie la Chambre de commerce de Mauritanie et également la Chambre de commerce de l'Espagne. Et je remercie également le projet Format Emploi ainsi que les formateurs tels que Mme Zainabou qui a vraiment ménagé beaucoup d'efforts pour nous aider. Et elle a vraiment été présente à chaque étape. Et je tiens à la remercier personnellement pour cet effort.